mon pote, s'il te plaît? Si ton pote, tu ne le croises qu'en bas chez toi pour fumer des gros joints, qu'il ne te parle que d'oseille, de voitures, de foncés et de gros chiens, t'es surpris, c'est normal, c'est ton frangin. Pourtant, t'as l'impression que sa vie est bidon, que ne sort de sa bouche que du poison, et qu'on se quotidien pique plus comme de l'oignon. Premier vol de sac à main, tu l'as couvert. Premier vol d'autoradio, tu l'as couvert. Premier pédo de popo, tu l'as couvert. Maintenant qu'il joue les macros, qu'il aille se faire. Si ton pote dit que les cours, c'est pour les meufs et les balours, qu'il prétend que la connaissance et le savoir sont inutiles comme l'amour, il finira pour ton nœud et sourd. Alors, s'il te donne des conseils, tu doutes de lui. S'il te propose des plans, tu doutes de lui. S'il dit qu'au son bonheur l'ira-t-il, eh bien tu doutes de lui. Ouais, et je te jure, frangin, ah oui, ça je te le jure, frangin. Que c'est tout ça sur le vexe, c'est que ton pote en vérité ce n'est qu'un abruti. Si ton pote construit sa vie sur des mensonges, que tu es son témoin, que tu prends sa défense quand on doute de sa sincérité au quotidien, tu le couvres, c'est normal, c'est ton frangin. Mais quand il oublie que tu es là depuis le début, que t'as tout vu, qu'il te prend comme les autres pour un tour de cul, là, ça ne va plus. Quand il était musulman, tu l'as couvert. Rappeur, tu l'as couvert. Quand il est devenu rasta, tu l'as couvert. Maintenant qu'il est hippie, paranoïaque, restère. Si ton pote te donne des conseils genre n'approche pas cette meuf à l'école, et que 10 ans plus tard lui a vendu son âme et qu'elle est devenue la mère de tes gosses, c'est qu'il y a un truc qui déconne. Quand ton pote, pour sauver son poule, enfonce soi-disant pote comme l'armée américaine enfonce les habitants de Kaboul. Quand il joue double, triple jeu avec les valets qui composent sa cour, c'est qu'il est loin d'être fiable. C'est que t'es l'invité d'un dîner de con. Alors lève-toi, gifle les tous, s'il te plaît, quitte la table. Non, c'est pas ton pote. Amoureux, il prétend que c'est pour du bise, alors qu'il n'y a pas de honte à ce qu'une jolie petite femme t'électrise par ses sourires et ses succulentes bises. Ton pote souffre, mais il te cause du tort, il détruit tes proches. Si ton pote est une vraie cloche, c'est pas ton pote.